c'est grâce à un financement européen que l'on a pu donc reconstruire ce site qui donc est maintenant un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc le classement ici, ce ne sont pas des briques que l'on a classées, c'est la mémoire. La mémoire des 262 victimes de 12 nationalités différentes. Et l'ensemble des noms sont gravés sur la colonne en marbre de Carrare. Oh.